the Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où es-tu? La réponse est qu'il est en question. Vive ensemble. Voilà, très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce 20 décembre 2022, bonjour en ces jours que nous nous sommes dit que nous devions venir. Nous passerons aujourd'hui deux fois. Nous sommes passés la journée, là nous sommes en direct, il est exactement 10h27 ici à Champaign, ici aux États-Unis, ici à Illinois, ici à Chicago, ici à Peoria, ici à Galesburg, ici à Burstown. Nous commençons par vous dire merci, merci pour votre fidélité. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir, que nous puissions avoir le souffle ce matin. Nous vous disons merci à vous qui allez partager ces directs. Je sais que vous êtes peut-être au boulot, je sais peut-être que vous êtes occupé, mais du moins, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous décrire, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous avez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème, un thème un peu sensible. Nous allons demain aussi être en ligne avec vous par rapport à de nouvelles, par rapport à la traduction en français, ce que nous avons écrit en anglais. Demain, nous allons parler nouvelles, nous allons parler information demain. Mais du moins, aujourd'hui, nous parlerons des questions que d'aucuns ne se posent. Nous parlerons de choses spirituelles aujourd'hui. C'est pourquoi je vous prie, vous qui êtes connectés maintenant, de commencer par partager notre direct. Aujourd'hui, nous serons en direct avec un compatriote qui est actuellement au Congo, un compatriote qui nous suit depuis le Congo. D'ailleurs, je devais ici... mettre ça ici, ok. Donc, je disais que nous serons avec un compatriote qui est au Congo. Nous allons l'avoir très bientôt. Nous serons en direct avec lui, ou nous sommes en direct avec lui. Et vous allez découvrir ce qui. Ce ne sera pas la première fois que nous l'avons reçu. Nous l'avons déjà eu une fois. Et là, aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Mais tout ce que moi, je vous demande, de nous aider à partager dans quelques groupes. Nous n'allons pas partager dans beaucoup de groupes maintenant là. Nous le ferons quand nous aurons fini pour ne pas abuser de votre temps. Mais du moins, je vous prie de partager ces directs qui va répondre à des questions. Que d'aucuns se posent, qu'il y a des confusions de foi. Les gens disent, est-ce que... Boye, est-ce que Azali, tout ça, des confusions, il y a des divisions autour de cette question. Batouba Boye Anaka, Aboye Ndeko, Aboye Parent, Aboye Noko, Aboye Koko, Aboye Tante. Est-ce que ce que les autres disent, c'est vrai? Est-ce que aussi ce que les autres disent, c'est faux? Comment on peut reconnaître et vérifier, ou plutôt pas vérifier, être sûr de ce que les gens disent autour de la question de la sorcellerie? Surtout dans nos communautés africaines, dans nos pays africains, cette histoire de sorcellerie, c'est un problème répétitif, c'est un problème majeur, c'est un problème qui, de fois, nous fait mal à la tête, qui, de fois, donne des interprétations, qui, de fois, sépare la femme avec le mari, sépare les enfants avec le parent, sépare les oncles avec les neveux, sépare les cousins avec les cousines, sépare. Surtout les tantes sont beaucoup victimisées. Comment pouvons-nous reconnaître un sorcier? Quels sont les signes de la sorcellerie? C'est avec ça que nous allons parler. C'est autour de ça que nous parlerons avec le serviteur de Dieu qui est actuellement à Kinshasa, comme je venais de le dire. Il va se présenter très bientôt, nous allons la voir. Le temps juste pour moi de partager ces directs. Donc, à vous qui vous êtes connectés maintenant, je sais que c'est le matin, à Kinshasa, il doit faire soir. Mais si jamais vous êtes là, je vous demanderai de partager ces directs. Et le soir, nous aurons un autre direct qui s'appelle Les Habits Sacerdotaux. Cette fois-ci, nous aurons le pasteur Bienvenue Luganou qui va nous parler. Est-ce que, prêtre... Plutôt, pasteur, serviteur en Zambe, il faut balata, bilamba, wana,
pourquoi il porte, est-ce que ça a un impact, et quels sont les vêtements qu'un serviteur peut porter. Est-ce qu'un serviteur peut porter une culotte? Est-ce qu'un serviteur peut être considéré comme un sapeur? Quel est l'impact de ses habits par rapport au service sacerdotal? C'était ça que nous allons parler les après-midi. Mais pour le moment, je vous prie encore une fois de plus de continuer à partager notre direct pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà, je crois que nous allons d'abord nous arrêter ici avec ce peu de partage. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens en ligne pour le moment. C'est le matin ici chez nous. Et nous espérons que les gens se joindront à nous au cours de ces directs. Nous disons déjà bonjour à notre invité. Bonjour, papa. Oui, bonjour, papa John. Voilà, papa Nanga, Nazotia photo nayo. Pour moi, tout joyeux, na direct l'image exacte. Nalingi na bandeko oyo bazo landa biso ba o bazwa ki chance a komona yo peut-être nanute na ba oyo nanu ba yo kayo nanute to sala dao déjà direct. Est-ce que okoki ko se présenter panaba? Oui, je suis le prophète Jacques Mawila. Je suis à Kinshasa, précisément Kinshasa. Je suis de nationalité congolaise. Bon, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un instrument dédié, comme tous les serviteurs qui se passent ici. C'est aujourd'hui que Dieu a voulu que je fasse ce partage avec vous, à travers Papa John. Bon, c'est ça vraiment. Mon identité, je suis un serviteur dédié, je suis à Kinshasa. J'ai au nom de Jacques Mawila. Voilà. Je suis le prophète. Prophète Jacques Mawila, il est actuellement à Kinshasa. Il est quelle heure là-bas, papa? 17h33. Il est exactement 10h33 ici chez nous à Champagne. Prophète Naebi, que vous aviez dit l'autre fois, mais j'aimerais que vous puissiez encore répéter. Prophète. Prophète de quelle église? Prophète à Salakanini? Prophète à Zaranaro? Je suis dans l'église. L'église de Raven. Allô? Oui, papa, on vous écoute. Vous disiez que si je suis de quelle église? Il y a l'église Nayo Zanini, est-ce qu'on peut ça comme l'église Nayo adresse? Parce que même si la Bible n'a pas prophète, peut-être au théâtre au cannabis. Merci. Mon église est EPS, EPS c'est un sigle, qui signifie l'église de la présence du Saint-Esprit, qui se trouve dans la commune de Selembao, sur l'avenue Selembao. C'est là où que j'évolue avec l'œuvre de Dieu. Voilà. L'église se trouve à Selembao. Mmh. Vous êtes prophète. Mmh. Lelo tolingito solo la thème moko. Peut-être koki kopé sa kanda. Peut-être koki koko la ba makamu mususu. Peut-être koki koya na ba question mususu ebele. C'est vrai to annonça ki angote avant. Ezaka ka ndenge er moko ba makambo. Ba inspiration yaka ndeto eko zoyo to sengio merci mingi parce que parler d'un thème comme ça ce n'est pas donné à tout le monde mutunyo soit sepel andima allo batema boye ce n'est pas donné à tout le monde mais vous avez quand même accepté. La communauté congolaise de Champagne Kani vous dit infiniment merci d'avoir accepté. Nous disons aussi merci à maman Mabinti Tarawalie, je crois que j'ai bien dit le nom, d'avoir aimé notre vidéo. À ceux qui ne savaient pas que nous sommes en direct, nous sommes actuellement en direct. Vous pouvez partager notre direct pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Papa Jacques, oui, maintenant papa on a question John. À Liboso, Mbalamoko. La sorcellerie, c'est quoi? Kindoki ezali nini? Nandenga, chrétiennement parlant, kindoki ezali nini? Bon. Kindoki, c'est un esprit parmi les esprits démoniaques. C'est un esprit aussi qui prend la possession en zoto, en moto. Kindoki, ils ont mon limo où il y a qu'à posséder en zoto. Parce que Jean Balobi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La sorcellerie, c'est un esprit qui vit dans les gens qui sont dans l'âme, qui prend la place dans l'âme.
oyo omona ekomi kodomine sikoyo nzoto par rapport ya ba directif nango spirituel maléfique oyo ezo komande moto na kosala. Donc c'est un esprit ils ont l'esprit d'impudicité, ils ont l'esprit d'impudicité, des esprits auto-yébi, maléfiques et possédés à Kamout. Mais esprit pire, qui ne peut pas être à Kabongo. Parce que c'est un esprit au gros binganango, ça peut être chassé par honneur de Jésus. L'esprit, comme tout, c'est la sorcellerie. Mais, ils ont mis ça dans le monde où ils salaka différemment. Au gros, comment on a mutu azando ki omone na kindumba te omone na muibite omone te mais il a cet esprit là qui ndoki c'est un esprit comme tous les esprits démoniaques maléfiques qui ils ont réussi à la bombe la moto depuis kindoki ça ok il peut ayez qu'à posséder moto donc quelqu'un qui possède un esprit maléfique de la sorcellerie c'est ça c'est un esprit. Maintenant, l'homme est utilisé par ça. Maintenant, cet esprit-là, il y a un konza moutou, kotina moutou, na kosala oyo yango lingi. Ça commence, on sait maintenant à guider quelqu'un. Voilà. La personne qui est possédée de cela, on a la direction d'ango, qui ne dit comme kosale là. Kosala makamouni, ok. Makambu, oh, yé nabo moto, yé ba, ate. Ya, oh non, ça là. Donc, faire des choses inconsciemment. Voilà. Où ça m'a dit? Il y a évité que ça m'a dit. Abomi, mais évité que n'a pas en abomi. Mais c'est un esprit comme tous les esprits magnifiques. Voilà, papa Jacques. Voilà, papa Jacques. Vous comprendrez que deux fois que la communication, ça coupe un peu parce qu'il est au Congo. Et je crois que papa Jacques, si vous bougez un peu de là où vous êtes pour que nous puissions vous écouter sans que ça n'interrompe, ça sera bon. Alors, papa Jacques venait d'expliquer ce que c'est que la sorcellerie, que c'est un esprit. Papa Jacques, la sorcellerie étant un esprit, la sorcellerie étant un esprit, et vous avez dit que quand la personne est sous est sorcière, il fait des choses qu'il ne connaît pas. C'est considéré comme si quelqu'un est enivré et la boisson commence à les diriger. Il fait des choses sous kwiti. Et le sorcier, ils sont liés aux morts et si kabakenda kana ba cimetière ou bien les sorciers sont liés à Satan. Merci pour la question. Quand nous parlons de la sorcellerie, nous voyons directement Satan. Nous voyons directement Lucifer, les démons. Parce que la sorcellerie, je viens de dire ici que c'est un esprit comme tous les esprits, mais un esprit maléfique. Tout ce qui est maléfique, ça devient de ça. Automatiquement parler de Satan. Ou Satan aussi a ses anges, ce qu'on appelle les démons. Ou les démons et les maîtres des sorciers, parce que c'est les démons qui guident les sorciers. Bah, démons de Bakonzaka Bandoki. Parce que les démons sont comme des anges de Satan. Et Satan qui l'envoie à tant de fois. Bandoki, Mike, Mike, comme les occultistes, comme les sorciers, comme les marabouts. Donc, c'est comme ça. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je dirais que nous, les chrétiens, nous avons des ministères, les cinq ministères, nous avons apôtres, prophètes, ainsi de suite, docteurs. Aussi, dans les mondes ténèbres ou dans les mondes maléfiques, il y a aussi des départements. Dans le cadre de département maléfique, on a fait tout le monde qui est dans le cadre. Donc, ok, directement. Nous sommes les maîtres de Satan. Donc, nous avons fait d'une manière, ils ont un département, mais un département satanique qui nous dit. Il se passe spirituellement. Ou, s'il a possédé quelqu'un, allez, cet esprit-là, ça a commencé à guider maintenant le corps. Donc,
les éléments sataniques directement viennent du Satan. Papa Jacques, vous pensez que Kindoki objectif Nango est à la gare au Salamabe ou bien Kindoki pe basala kamalamu? Si basala kamalamu, nini malamu nini? Est-ce que aussi, ça c'est le premier volet de ma question. Ndoki ako sala malamu ou bien sala kamabe? Deuxième question, Nanga, ou bien sous-question. Est-ce que ba mystique, les gens mystiques, peuvent aussi être considérés comme bandoki, nandenga lingala? Merci. Question du Bosso, Olobi ke bandoki, ou que bandira mouke, papa? Je disais ceci, les sorciers, leur mission ou leur objectif, c'est toujours faire du mal ou il arrive aussi que les sorciers fassent du bien. Merci. Merci. Je dois maintenant répondre à la question. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire toute l'œuvre satanique maléfique. Pour détruire. Le sorcier n'a pas le temps de faire du bien. Il est là pour combattre. Nous c'est de lumière. Ils en ont d'autres qui m'ont côté à zoti qui passe à la malamou. Et c'est la cause à la tête. Les sorciers sont là pour détruire. Bandoki, Bazana Pona Kobebisa. Ndoki abatte la casa la gâte. Est-ce que, prenons le cas, commencez par leur maître. Est-ce que Satan peut les protéger? Satan sait toujours détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Nini Bible le dit. Les voleurs viennent pour faire quoi? Dérober, égorger. Et détruire. Ça, c'est Jean. Je crois que c'est Jean 10-10. Je crois que c'est Jean 10-10. Yeah. Jean chapitre 10, verset 10. Oui. C'est que la Bible nous dit. Mais il dit. Voilà. C'est ça les rôles des démons. Papa Jacques, est-ce que... Réponse, on répondrait, autant les gens disent. C'est ça mon réponse. Mais est-ce que vous pensez aussi que les mystiques sont aussi des sorciers? Bon. Les mystiques sont là pour produire les spectacles. Pour faire limiter ma cambo. Tel que Paul et Tobé Nabatoula, supposons les savants. Les gens qui appellent comme David Copperfield sont là, qu'il fait des mystiques, des spectacles, mais sont imités dans l'air pour ce temps bon, pour ça, la mystique. On croit qu'il produit des miracles, mais sont des spectacles. Parce que certains produisent. Non du miracle, mais Satan produit des spectacles. Parce que oui, c'est lui qui produit des miracles, c'est du même Dieu. Mais est-ce qu'ils sont des sorciers? Est-ce que ce sont des sorciers ou pas? Je viens. Des mystiques et des sorciers, tous sont des sorciers. Okay. Parce que de faire des choses anormales d'une manière maléfique, automatiquement la personne est sorcier. Et les mystiques sont aussi des sorciers. Parce que ce qui produit des choses mystiques, non, les choses mystiques, ils animent. Oui, c'est anormal. Bon, au moment où on produit les Kamomoko, la personne avait beaucoup d'argent, il s'est commencé à diminuer. Et c'est ce qu'on appelle des limitations, des réclamations, tout cela, c'est des mystiques qui produisent cela aussi. Même aussi avec ces sorciers. Tous ce sont des sorciers. Parce que les sorciers produisent des mystiques aussi. Quand on parle de mystique, qui produit cela? Donc c'est des sorciers qui à la base des produits de pareilles choses là, que nous appelons des mystiques. Qui produit cela? C'est des sorciers. C'est quelqu'un qui produit des choses qui est anormales, automatiquement il est sorcier. Okay? Parce que les esprits maléfiques, ça a commencé maintenant de les dominer physiquement. Et ça, c'est ma cambo. Et c'est normal que eux, mais ça, ils sont des spectacles. Donc, ils sont des mystiques. Papa ils sont Jacques, toujours des sorciers. Il y a une question qui me vient en tête. Je sais que vous faites des délivrances. Il y a des gens qui changent de voix, ainsi de suite. Je me rappelle les anciennes délivrances. N'habite ce qui existera-t-il, Lélo? Vous allez voir quelqu'un qui est là. On est en train de vouloir
les délivrer avant même que tous en aient téléphone. Il faisait des chiffres, il parlait de 0-0, tout ça, ainsi de suite, il parlait des chiffres. Et vous allez voir qu'il prenait la main, il mettait à l'oreille comme s'il parlait avec quelqu'un. Il y a même des catcheurs qui continuent à faire des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est par là que Bautaki Kozwa idée à téléphone pour nous faire des téléphones? Si oui, est-ce que vous pensez aussi que l'usage de téléphone, ça fait partie du mysticisme parce que ce sont des chiffres qu'on utilisait dans les temps pour localiser soit dans leur monde spirituel. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes chiffres. Moi, je peux faire un chiffre. Je vous ai na composé ma chiffre na zuyo. Et puis, ma chiffre en gros, il y a 10 na ebite poani. Bagoche a 3, bagoche a 4, il y a 10 na ebite. Alors, vous pensez aussi que le téléphone est associé aux pratiques mystiques qui est rendue sur notre monde. Vous pensez aussi que la technologie peut être associée au mysticisme ou bien c'est juste une pensée humaine très développée et poussée. Bon, Obadjan, je pouvais vous répondre selon la Bible, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Malheur à vous la terre, parce que Satan avait descendu avec une grande furieux. Tu vois la terre que nous habitons. C'est une terre qui est remplie par de plusieurs esprits. Mais moi, je connais une seule chose. Ma Bible me dit, ce qui est entre spirituel, ça sort aussi spirituel. Où écoute Kanamolimo et Bima Kanamolimo. Pour que tu vois des choses qui se passent spirituelles, il faut que tu sois un homme spirituel. Dans tout cela que nous parlons de la sorcellerie, et ce n'est pas la sorcellerie que nous parlons, mais nous parlons pour le monde spirituel, nous parlons de la surnaturelle, ce qui se passe dans la nature. Quand on parle de la sorcellerie, c'est déjà quitter la nature pour venir dans le monde surnaturel. Vous devez comprendre. Vous venez de parler ici qu'auparavant, au préalable, ils sont arrêtés un sorcier qui fait des signes, il communique. C'est ça qui m'a vanté pour distraire mon baïb m'a ramené. Papa John, qui est-ce qui est le canamolimo? Qui est-ce qui est le canamolimo? Et on le pile quand je les apprécie, parce que mon soubois c'est ma pime dans ma toi. On a sali des doublements dans les qui sont en Nigeria, mon moni dans les États-Unis, dans le Binzambé. Oui, tu sais que Dieu avait fait des miracles, tandis qu'il a dit qu'il n'y a pas de plus qu'il y a. Qui ne sait de choses, c'est peut-être concentré en priant. Papa John, Nathan Moulin, Papa Jacques, là nous vous écoutons difficilement. Papa Jacques, nous vous écoutons. Papa Jacques, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Papa Jacques, nous vous écoutons très difficilement. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez reprendre ce que vous étiez en train de dire? Oui, je disais comme ça. Nous parlons de la sorcellerie. Vous avez dit qu'auparavant, et ça qui ce qui bakangindo qui tu vas moni mutu on sera bassine dans la kindo qui le bakai on se communique par des chiffres les lobes tout mona téléphone et bimi c'est utilisé aussi par des chiffres pour on se mutu dans moyen de communication. Et on a gagné bi c'est que un peu la Bible, qu'est-ce que les Écritures nous dit? Les Écritures nous dit que malheur à vous la terre, parce que Satan diable est descendu avec une grande fierté. Parce que Namokiliote Ozali, Nassé Namabele, qui s'est livré déjà à Satan. Quand on parle de la technologie, c'est la sagesse mélangée. Oui, ça peut être une sagesse naturelle, mais derrière cette sagesse-là, il y a une autre sagesse artificielle, Pézali. Parce que la sorcellerie n'est pas des choses naturelles. Parce que quand on parle de la nature, c'est quelque chose fraîche créé par lui-même, le père de la nature qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Mais ici, des choses qui sont hors de la nature, c'est plus encore dit. Ça devient des choses artificielles. Parce que
Je ne crois pas que c'est Dieu qui a créé la sorcellerie. La sorcellerie sont des choses artificielles. Oui, et salami na Satana. Oh, Satana za evre en zambé. C'est que, tout la sorcellerie, et ça, et loko, oui, et pas sa casse spirituellement. Voilà. La sorcellerie. Et les caca, loki, et les caca d'amolimo. Et les caca d'amolimo. C'est comme où tu as qui nous dit, faut s'appeler mon amolimo. Oh, tu ne pouvais pas voir un sorcier par des gestes, non. Il y avait une maman de mon église, il avait son enfant, il en est avant ce garçon. Il est très brigand, très brutal aussi. Il est courageux. Mais sa maman a eu le papa. Regarde un peu l'enfant. Azandoki, papa, mon nom, Azandoki. Tant que l'assemblée, c'est me dit, Azandokite. C'est que on ne peut pas regarder Nokite dans la bassine. Mon nom, c'est la vendre au salaboué. C'est pas la chose. La sorcellerie, c'est le quoi, mon limo. Et qu'on les caté dans la mise sur Batouba, mon ango. Des choses passent spirituellement. C'est que téléphone, non? Téléphone, et ça, et le quoi, et ça l'a mis par des sagesses personnelles. Oyo, moutou, avant à réfléchir. Par des ondes, par l'air, l'homme a créé une communication. La communication, ça a commencé spirituelle. Pourquoi j'ai dit la communication, ça a commencé spirituelle? Pourquoi? Dieu est abstrait. Personne ne peut voir Dieu peut le toucher comme ça. Ok, on a encore dans la dimension, il y a. Tu sais que la prière aussi, c'est une incarnation. La prière que nous faisons. C'est une incarnation. Or, tout esprit, moli monusco, y compris dans Zambé, pour oyo que tout le monde faut en approfondir. Si on continue à mosinder, tout le monde était pour oyo qui était. Papa Jacques. Okay. Dans la profondeur que Dieu parle. Oui. Papa Jacques. Oui, papa. Vous avez dit tout à l'heure que les sorciers, c'est un esprit. Les sorciers, c'est un esprit comme le vol, comme la prostitution. Que l'on peut enlever, mais à la différence, c'est que la sorcellerie envoie la personne à faire des choses sans que la personne ne s'en rende compte. Donc c'est l'esprit-là qui les pousse des fois à tuer, à faire ceci, à mentir. Et vous avez dit que l'on peut enlever ça. Qui peut enlever la sorcellerie? Et comment on peut l'enlever? Et où on peut l'enlever? Ça va. C'est lui qui peut enlever la sorcellerie, c'est lui qui est mandaté. C'est lui qui a l'onction supérieure qu'est la sorcellerie. Marc chapitre 5. Vous dégagerez devant Jésus-Christ. Oui, c'est qui, quand il y a fou des gadarans, commencez à parler. Parce que nous sommes les gens. Pourquoi l'esprit est cabassat les bras? Pourquoi l'esprit, les esprits maléfiques l'avaient obéi à la présence de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ portait la domination sur ses épaules. Esaïe l'avait dit. Il aura la domination sur ses épaules. Pourquoi Jésus-Christ avait la domination? Parce qu'il était mandaté du Seigneur. Donc, c'est lui qui a levé la sorcellerie et celui qui a la dimension. Celui qui est mandaté, ordonné de délivrer, auquel l'esprit doit lui fuir lui-même. Et celui-là, un mandaté de Dieu. Celui qui a la Saint-Esprit, celui qui a la foi avec son Dieu, et celui qui crie à celui qui délivre, celui-là est capable de chasser cela. Papa Jacques, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que aujourd'hui, là où nous savons que. Je ne savais pas, c'est. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, parce qu'il y a le médecin qui sont là. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut étudier, il va à l'école, parce qu'il y a les enseignants qui sont là. Aujourd'hui, quand quelqu'un se sent menacé, il va chez le policier
parce qu'il y a la sécurité qui est là. Aujourd'hui, si quelqu'un a des problèmes ou l'enfant a des sorcelleries ou dans la famille, c'est à l'église que les gens vont se réfugier. Mais je vous dis, je viens, j'ai quand même été dans des petits coins au Congo. Il y a des coins aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, vous voyez le matin là, à l'altar, ou qu'on appelle chair, deux fois, on a tué quelqu'un. On laisse même deux fois des restes de corps de partie. De partie des corps humains. Vous allez voir le sang à l'altar. Aujourd'hui, vous pouvez être dans l'église. J'ai vu beaucoup de pasteurs en train de prêcher pour dire Bandoki Bazawa. Donc, c'est comme si les Ndoki qui viennent à l'église, que l'église qui était censée être un endroit qui devait les délivrer, ça devient un endroit qui Ndoki a kominaye, a kotinaye, a saliné babilokonaye, a saliné babesoinaye, et maokoutou Bandoki qui distrait même le pasteur. Pasteur a commis au Bungana Maloba. Alors, comment vous dites que Moutoisan un esprit supérieur Ndakokiko délivré? Pourtant, aujourd'hui, les gens disent, même un musicien chrétien a chanté, j'ai recherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Comment est-ce que Ndoki, à Koki Kozala, ils sont en confiance, ou bien bah, parents, bah, moi, on a besoin, on a un problème, ils peuvent avoir confiance pour dire, nous irons à l'église pour que nous puissions trouver le salut de notre enfant. Merci. Je dois répondre à la question. Je vais faire parler les gens dans l'église. Ce qui Bakouya ma kasi soumashi ya bande ko beta bat. Oh beti sa ma rasile ma beli. Voilà, comprenez que nous sommes en direct avec Papa Jacques. Papa Jacques, Oui, on vous a perdu un peu. Est-ce que vous pouvez reprendre la phrase que vous étiez en train de dire? vous disiez Non, je disais ceci. l'église Est-ce que qui vous pouvez reprendre la aujourd'hui dans phrase? Vous avez l'église, dit que il l'Ibakwe Amaka, c'est y a quelque l'idée chose comme ça. il y a l'idée. Alors, Non, je disais juste que connaissez vous comment puissiez c'est. reprendre ce que vous étiez en train d'expliquer. Oui, je dois répondre. Je réponds maintenant. Je disais comme ça, Nando le Baboui. Lélo, je sais que c'est commencé à Soumou, en Ekosoum, Koubek Samadi Bakou, Koussoum, Kassetro. Les gens ont rendu l'église l'ONZ. Batouba Komi Kote Kana Temple au Salomon Atongaki. Salomon qui était roi. Ce qui est roi a construit, ancien roi a construit temple pour Christ. Mais les gens ont venu à un niveau où Bakomisayango Winze. N'ayant pas développé le monde, je dois arriver jusqu'à la question. Jésus-Christ lui-même, il était né sous la loi. Parce que à cause de la loi de Memakinakoufa. On peut révéler aussi sa vie dans ma marche, dans les cadres de la révélation. Parce que si les gens ont du temps, on va parler bien sûr des autres. Pourquoi l'église est comme Wenzi, pas comme côté Kawana? N'avez pas pillé les gens, sautez. Oh, dans les marchés, on vend toutes sortes de catégories de gens. Na kata wenze. Le lenge a battu. Tout le monde, surtout tout ça, au monde en gros. Écoutez, quand on parle de l'église, les véritables églises, elles étaient autres, sangana dimanche, Yeshua Zali, Awan, Kembo, 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 Kembo. N'est-ce pas que votre corps est le temple de l'esprit? Et on dit, nous autres, dans la mission, ils ont dit, temple de l'esprit. Aujourd'hui, corps du Christ, aujourd'hui, à Salima Mabé, il y a un autre qui est dans quoi il semble. Auparavant, au préalable, c'était Moïse qui priait pour ceux d'Israël. Et les gens venaient plaider leur
péché auprès de Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Ok, rideau s'est scindé en deux parties. Ok, Jésus-Christ a rendu chacun ou chacune de nous un temple. Mandelebrosa. Ok, Yusumasiya a commis le papa John Batepelo. Nous autres, on a eu comme un temple et un Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit habiter à toi. Oh, quand on va dire le temps où nous autres, papa John est comme un temple et un Saint-Esprit, c'est que Christ nous a donné une autonomie. Une autonomie de faire ce qui est capable spirituellement. Parce que celui qui a le Saint-Esprit à nous est capable de chasser toutes sortes de l'esprit. Il est devenu dominant. On ne peut pas lui dominer parce qu'il porte marque de Christ en lui qui est le Saint-Esprit. Que la personne est capable de chasser tous les esprits. Écoutez, vous êtes président de la communauté. Tu sais comment les gens se comportent. C'est une église comme une église. C'est là où les endroits, c'est un endroit où que les gens se réunissent. Lorsque les gens viennent, chacun a sa façon de se comportement, de se comporter. Moutou dans moutou, en le lingue naïe, et l'éducation, mais nous sommes réunis pour des choses qui sont spirituelles. Lorsque nous réunissons à l'église, on fait ce qui est spirituel. Et là, quoi, les bossobis sont ma chrétien et l'autre côté l'on lit ma casse d'église yangwana. Ton boss ami qui est au sein de la capote à ma camouze à mon limo. Mais si on te yate au coutani batou, que ceux qui battent bâtier, on va l'église à ma commande au John au Christ, à Opessa batou, batte sur ma vaccin, yenendoki. Tu vois comme ça? Maintenant, le rôle spirituel est quitté. Or, quand vous bossez là, on va les aller, oh, ma camouze à mon limo, directement vous, vous devez vous stresser. L'église d'aujourd'hui a testé le Saint-Esprit. A même mali li moko na moli mo santo. Au lieu que l'esprit a opéré, n'y et sengeli, l'esprit ne doit pas opérer parce qu'il y a les sonny qui est là-bas. Il y a des mauvais esprits. Les 15 fruits des diables, sur. Oh, bah, le minon a 1 Corinthiens 15. Les fruits, maintenant, les 15 fruits des diables, c'est qu'on commence. Au lieu des 9 fruits de l'esprit, maintenant. Il y a Satan, les 15 de Satan s'est commencé à manifester. Ce qui faiblit l'église d'aujourd'hui, c'est nos comportements physiques que nous emmenons dans l'église. Maintenant, il y a exactement quoi attrister Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit a opéré dans ma limite. Or, maintenant, comment? Lorsque un sorcier a la carte d'une église, il doit faire aussi l'analyse. Alors ça l'appelle analyse de la quatrième église. Il commence maintenant à envoûter les gens. On m'a dit qu'au côté sa quatrième comportement au égo quatrième. Parce que ce qui est le papa John a tenu comme on a dit ma belle. Mais or la église, la Bible dit quoi? Les apôtres étaient unis parce qu'à cause de Amoli Moussantou, dans le même esprit. L'église est alliée au fou et mes mamans, on a nous, dans le même esprit. Parce que nous sommes réunis pour les choses spirituelles. C'est ce que c'est dans ma cambo Amoli Moussantou. C'est que nous sommes nous pour long à Amoli Moussantou. À un moment, au moins la maman diagonale, la pasteur, il y a des problèmes. Mais quand l'esprit doit opérer, automatiquement, parce que l'église est mal enseignée. Nous avons atteint l'église, premièrement, les lots, c'est Makati Aboti, l'église de Saint-Samon, tout était la Makati. Ce sont des choses qui viennent même aussi à la dixième position. Dans la première position dans l'église, d'abord, c'est la spiritualité. Et Brassakaba de Kante, les brochets. L'église doit comprendre son atmosphère spirituelle. Dans beaucoup des églises, on perd leur atmosphère spirituelle. Lorsque vous avez déjà perdu cette atmosphère-là, même aussi les démons sont là, l'esprit ne révélera pas que dans notre église, il y a autant de démons. Parce que l'église a perdu déjà son atmosphère. L'atmosphère spirituelle a perdu par rapport à nos propres comportements. Bah, on nous se savez-vous que l'église, c'est pas lié au vent de Marie-Noumoube, non. Les organisations là, c'est après. Mais première chose de savoir dans une église, c'est d'abord la spiritualité. Ok, si vous avez la parole, c'est que ceux qui ont des oreilles, attendent ce que l'esprit dise aux églises.
ba obana matoi ba yoka omolimo le baka wapi na église. C'est que le rôle de l'église premièrement, c'est des choses spirituelles. Si l'église est remplie costaud spirituellement, hein, toutes les cas spirituels qui arrivent, ça sera comme du papier, ça sera comme du poussière, parce que l'atmosphère d'église est assez près. Chercher le monde, trouver dans l'église, parce qu'il n'y a pas encore la spiritualité. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas le rôle de l'église. L'église, c'est un endroit spirituel, spirituel. Donc, c'est quand l'esprit reste, ma brosse, comme les camps. C'est donc que l'esprit reste ici à l'église. Oh, l'église, c'est une forme d'un esprit. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ont oublié. Parce que l'église, c'est qu'il y a Makelemba. Parce que l'église, c'est qu'il y a Bakotonga. Parce que l'église, c'est qu'il y a bizarre. Mais oublier le rôle d'une église. Et c'est une clinique spirituelle. Voilà. Église, là-bas, on voit en avance. Église clinique spirituelle, église, je dis aux gens, comprenez l'atmosphère. Des fois, quand le prophète, j'aime quand je parle avec lui, parce que des fois, il parle comme ça, même en direct, il parle en esprit. Comprenez que c'est ça, l'atmosphère, quand ça arrive, ça dégage, ça parle. Je dis merci et bonsoir à Maman Pro, Pasteur, Maman Solange et Nana. Que Dieu vous bénisse et bénisse aussi Papa Gabimboyo par rapport à l'œuvre. Ingénieur Volonté Khan, vous êtes à Bukavu, vous nous suivez actuellement. Vous êtes en direct, que Dieu vous bénisse. Prophète Jacques. Na aucun des scores ma question y a titre nanga. Prophète Jacques osa na église. Obandi mama namoni ya to solo la. Ndoki moko azawa namoni yo tika makambozo sala. Nazo mona osino na koloba na yo na koloba kombo na yo tika makambozo sala. Ozotea et puis obandi ko pona ba tuna église. Bomona ka ndenge nini ke muto wa zandoki. Na elongi na ye ko mama ka ou bien bozotea asala ka ba elongi a changer ka elongi. Bomona ka bandoki ndenge nini na église. Et puis, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ah, merci. Vous avez vrai tchor. Vous avez dit que non, on répondre à Ézéchiel 37. Ok. Il a dit la main de Dieu m'a transporté jusqu'au vallée et j'ai vu les ossements. Il a vu des ossements. Écoutez la question que Dieu a posée à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements reprendront encore la vie? Un prophète sage, écoutez la sagesse. Seigneur, c'est toi qui le sais. Yondo yebin zambé, nana yebite. Et savoir quoi? Ibrahima. Il y a une maman qui vient de auto-cité Kombo. Si maman Mireille pour l'œuvre de Dieu comme ça. Maman Solange. Comment Dieu m'a parlé de lui? Maman Solange. Maman Solange, oui. Moi aussi, à papa pasteur. Oui. Oui, automatiquement, quand tu as cité le nom, automatiquement, Dieu m'a parlé de lui. Ah bon? Ce qui est ça. Mais. Ce qui est papa Jacques. Papa Jacques. Ce qui est ça secrété. Ce qui est ça secrété. Est-ce qu'on comprend ce message? Ce qui est ça secrété. Tu vois maintenant, et je dois le parler après. Peut-être okay. Aujourd'hui, les gens refusent de le prophétiser publiquement. C'est mauvais. Bon. La Bible nous dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Merci. Parce que c'est Dieu qui nous donne cela. Oui. Nous avons maintenant appelé ça Bissomolimo. Quand Dieu te donne des choses aujourd'hui, ce qui nous a appelé opportunité de l'homme président de la République, c'est Dieu qui t'a donné. Nous avons maintenant appelé ça. 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 Allez-y, papa Jernakata, qui est au banan le bac. Oui. Yeah. La bande Koloba, Ezekiel l'a dit, Dieu l'a mené, Dieu l'a mené. Na moni wa tuni, est-ce que ce m'a prendré encore la vie? Ezekiel a dit à Dieu, et toi qui sais, et toi qui connais, si ces ossements reprendront la vie. Fils de l'homme, prophétise pour ces ossements que les nerfs, la peau, couvre ses ossements, selon l'ordre de l'Éternel. Nous avons la de l'Ézéchiel, prophétiser pour nous, quoi, Oyo, et nous avons la pression pour nous, nous avons la pression et l'atteindre, selon l'ordre de Dieu. Écoutez, il y a dans la prophétie, il y a aussi ce qu'on appelle la parole
des connaissances. Il y a ce qu'on a. Papa Jacques, nous vous avions perdu. Est-ce que Okoki Kozong est là dans la prophétie? Il y a aussi ce qu'on appelle. Il y a aussi ce qu'on appelle la parole de connaissance, le discernement des esprits et la prophétie proprement dite. Papa John Zambo, tu es sanga, tu es venu de Bosso, mais ça qui t'a pémé. Tu es venu de Bosso, ça qui a joué. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Ok. Descendre à cette salle comme quelqu'un qui doit tomber, un esprit mauvais doit sortir de lui. C'est ça ce qu'on appelle le discernement des esprits. Un prophète, c'est quelqu'un qui discerne l'atmosphère des lieux où il est spirituellement. Mais quand je dis la prophétie, c'est comme comment? Papa John, je vois demain qui sera premier ministre. Ça a devenu prophétie parce que c'est il y a l'avenir. Amen. Yes. Wow. Comprenez qu'il y a des caprices de foi de l'appel. Le temps juste que Papa Jacques puisse nous rejoindre. Yeah, Papa Jacques, vous êtes revenu. Continuez à parler. Vous étiez en train de parler la différence entre l'interprétation de paroles, la parole de connaissance. Vous parliez de la prophétie. C'est là qu'on vous a perdu. Est-ce que vous pouvez reprendre à partir de la prophétie? Oui, oui, je parle de la prophétie. Il y a la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits et il y a la prophétie. Ok, la parole de connaissance, de dire des choses qui se passent automatiquement. C'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance. Le discernement des esprits, lorsque un prophète ou un pasteur ou un docteur, j'avais dit la fois passée, tu peux être un pasteur, mais tu as le don de la prophétie aussi en toi. Tu peux être un apôtre, quoi que tu sois, parce que la prophétie, ils ont des tendances. Il y a un ministère prophétique et les dons prophétiques. Il y a des celui qui n'est pas prophète, mais qui prophétise. Il y a aussi celui qui est dans le ministère prophétique, mais qui ne prophétise pas. Il interprète seulement les écritures et des songes, mais c'est un prophète. Il y a aussi des prophètes qui n'ont pas de dons de la prophétie à un ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, c'est un ministère vaste. Dans les jours qui viennent, je dois expliquer cela. Formidable, ça sera bien. Maintenant, Papa Jarbomon, oui. Comment vous voyez Bando qui n'est plus? Dans un Ézéchiel. Dans Papa Ézéchiel, et s'il est absent, et nous sommes des prophètes. Un prophète, c'est un bon moment, c'est souvent. Vous connaissez. Premièrement, si tu es devant un peuple de Dieu, tant qu'il y a un homme de Dieu, il faut demander ce qu'on appelle le discernement des esprits. Pour que tous les esprits soient en ligne. Mais je vous domine maintenant. Je peux vous prophétiser, vous tous, et dire vos problèmes et de libérer l'onction automatiquement. Parce que maintenant, je vous ai discerné spirituellement. Mandelebros, Kayabouche. C'est comme ça que. L'atmosphère, le prophète a maintenant commencé à discerner les esprits qui est maintenant sur l'une. Automatiquement, c'est Dieu qui nous parle. Quand il a discerné, c'est Dieu qui parle. Écoutez, Jean chapitre 4, verset 16, qui descend jusqu'à 20. Jésus-Christ a discerné la femme samaritaine. Il a bien lui discerné l'esprit de discernement. Il a dit à la femme, va dire à ton mari, Mandelebrosa, va dire à ton mari que Jésus revient ici. La femme a dit quoi? Je n'ai pas de mari. Écoutez ce que Jésus-Christ avait dit automatiquement. Je savais que ce n'a pas de mari. Mais au Bobi Kalaé, à sa père bat. La femme s'est retournée. Abis Cécile, c'est un prophète. Avant de prophétiser ou de dire quelque chose, d'abord ton esprit doit faire ce qu'on appelle le discernement des esprits.
doit discerner tous les esprits après et Dieu parle directement à la prophétie. Quand on discerne que les esprits, tu sais qu'il y a un esprit mauvais, et ça pas maman mon chantal, et là, on a eu un accident. Tu sais, c'est là, je vois, automatiquement, je te parle. Mon limo, je m'en ai, et ça pas John. Parce que ton esprit a discerné, mon limo, je m'en ai, c'est John. C'est une sœur qui a envoûté à Zotinda. Donc, on sent. Le prophète doit discerner d'abord dans son esprit des uns des choses et Dieu lui parle. Papa Hippolyte et Papa Hippo Mbungu nous dit que président, il y a un problème de son. Papa Hippo, nous sommes en direct. Je crois que c'est deux fois le son, c'est par rapport à la connexion. Mais du moins, nous reprenons ce que nous avons raté. Merci Papa Hippo Mbungu, que Dieu vous bénisse. Papa Jacques, continuez. Je m'excuse. Oui, je disais que... Quand un prophète a bien possédé les salles, son esprit doit discerner d'autres esprits. Mais à cause sentir que kilo moisa a, mais en yeba kilo a monté et ça les sirénine. Nous sommes les mêmes choses contactés. Pourquoi kilo est zoya? Maintenant si que l'esprit doit les sonder, mon lit moi le bela, kabiso basakole mon lit mon ensemble et le bleté, maman mon zandoki. Mon ne kene, t'as les amis sur la ligne droite. Esprit indique. Papa John, quand t'as fait ça, naï. Dieu me parle à moi. Je change avec Dieu. Je change avec Dieu, moi. Je change. Dieu dit, moi aussi, je dis. J'ai ces dimensions, je change avec Dieu. Je change avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit, moi aussi, je dis. Quand le Saint-Esprit dit, comme ça, moi aussi, je dis. Si tu es devenu dans d'autres dimensions, tu dois changer avec l'Esprit. Rassabrade contre les brochés. Et là, t'as moutou, moi, on a pourquoi les lois. Rassabrade contre. Si tu, comme on a une dimension qu'on change dans mon lit, mon sanctité, l'esprit parle, toi, si tu parles, viens dans ces dimensions. Brassaka, bade. La zike, brassike, mante, les brossaka. La saka, brade, kante, les brossike, mante, les obrossike. Je change avec l'esprit. Et kababo, bobo, mante, les brossike. C'est que lorsque tu dois changer avec l'esprit saint, automatiquement, le saint, des kante. Automatiquement, le Saint-Esprit doit t'indiquer. Que ici dans cette salle, il y a quelqu'un qui est à l'autre ville, 45 km avec la ville de Chicago. On voulait les faire. Ceci, elle s'appelle qui, Claudine? C'est comme ça, l'esprit nous montre. C'est Dieu qui nous montre. Mais écoutez, si on a un zambo, là, qui s'aille, et comme si on a maturité, on sait. Ça devenait ce qu'on a mouton en Zambalobéli et sa maturité. Parce que l'esprit des prophètes est soumis. On peut me dire quelque chose. Si je suis mature, je sais maîtriser ce qui est spirituel. Je la maîtrise maintenant. Ce qui est dans l'ingi, tu vas mon angalo, l'end, on a celle qui est bon moto. Il a directement commencé à dire maman, t'es maintenant un de qui ont voté. Mais si je suis mature spirituellement, comme on m'a pris de la maturité spirituelle, je dois l'appeler et l'amener. Dans la repentance. Wana Rotunde Rosala, suggère prochainement Rosala, est-ce qu'un doki peut réellement se repentir? Wana, c'est la prochaine fois au Torozoyo. Mais est-ce que papa, au lobby, ma kamomora Claudine, au lobby, on est aux autres explications, mais moi je sais qu'aux autres vérité. Mais est-ce qu'on pourrait prendre un message à Claudine au Tukoloba? Je ne dois pas te dire cela, binon de Boyoka. C'est l'esprit qui m'utilise. Je suis où on a maté déjà. On a aussi maté maintenant vous. Il y a parce que le son est ça là qui n'est pas payé. Je disais comme ça. L'esprit de Dieu, lorsqu'il est prophète, a pris la possession des lieux. Selon le discernement des esprits qu'il doit faire, je me sens que je suis pas encore accompagné. Et à cause de l'odeur et des affaires qui sont là, il y a une hérédité. Parce qu'il y a une maman qui est aux 45 minutes de vie de Chicago. Elle s'appelle Claudine. On l'a pris à un accident. L'esprit t'a indiqué. T'a dit maintenant. Ça dépend maintenant. Des maîtrises de l'homme de Dieu ou des prophètes, ou Ndenge à maîtriser.
comment les prophètes maîtrisent ces messages. Nous avons des prophètes en maîtrise. Et comme si on a choisi nos moussins dans Zambie, ton message est bon. Si tu n'as pas de bon, comment si on te le mérite dans mon amour? Eh maman, tu es mon osandoki. Mais puis si tu as un bon, tu es un bon, tu es un bon, tu es un bon. Si tu as discerné les esprits, discernement est un bon. Et ça, le diagnostic. Devant médecin, médecin Tali, médecin regardé, pour expliquer, non, il y a ça, il n'y a pas si vous avez dit, ah, oui, il cause à l'appendicite. Mais ce que vous pouvez ajouter, c'est que précision dans le diagnostic, il faut que vous ayez une radio. Soit échographie, soit une échographie. C'est que le discernement des esprits, c'est le pas diagnostic. C'est à faire le diagnostic, il y a un esprit mauvais. Mais oui, ce qu'on sent, c'est ce qu'on fait. Sur précision. Aïe, le quoi, échographie, habité, maman à gauche, et nous, on a un esprit. Tu as discerné par le discernement des esprits, des prophètes, tu as discerné les milieux, territoires, et quel esprit qui règne ici. Maintenant, le Saint-Esprit doit amener ce qu'on appelle la précision, c'est cet esprit-là. Et voilà, on lit mon centre, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas de nous que nous parlons automatiquement dans le chat. Non, c'est l'esprit qui nous sort de cela. Waouh! C'est l'esprit qui vous montre cela, papa. Maintenant, quels sont les signes? Bah, signe nini oroki koyebela mutukazandoki. Parce que vous nous aviez dit que zara maman mon église nayo qui était venu avec un enfant. L'enfant était turbulent, l'enfant bougeait à tout moment, l'enfant était hyper motivé. Et la maman, pour la maman, c'était que non, moi non azandoki. Je connais aussi. Il y a de ces coins du pays au Congo quand une femme est très claire. Naboi kolo baba kwa na Congo. Nazo peso déjà ba élément comme ça na otiki lo yo loba. Quand une femme est très claire, oh moi si on a soubakanambetu, oh moi si on a vrendoki. Il y a des coins du Congo. Quand quelqu'un devient âgé, akomi mukolo, oh akomi ndoki. Il y a les gens, soki amoni puku nandaku, soki amoni pese nandaku, ndoki au nom de Jésus, longwa. Il y a des gens, batante na bango, batata mwasi, bazala kaka bandoki. Il y a les gens, ceux qui m'ont dit village, aye pa na bango bango bazala kana ville, cousin abiso na ya ki wana vrai chor. Ça, ce sont des histoires que batu balobaka. Et puis il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a aussi des gens, mutu azala kaka komi kanga makangama, afungwa makate, oh azandoki. Basini nini, yo papa en tant que prophète. Ba signe nini okoki koloba na biso lelo parce que lobi kindoki eza eloko moko spirituel. Quels sont les signes oyo ekoki ko déterminer que mutu kingani azandoki et que ba signe wana ce sont des signes très spirituels oyo ekoki ko constater. Merci beaucoup papa. Merci. Merci. Je réponds maintenant là. Dans le monde spirituel, celui qui opère avec des signes exacts sur lui-même, Dieu. Quand il dit qu'il fait montrer des choses, qui montre des choses exactes. Isaïe chapitre 38, histoire des Ézéchias. Isaïe, Ézéchias, il a dit donne des ordres, prépare-toi parce que à bientôt tu dois mourir. Mais dans Isaïe aussi 8, 23, le Seigneur a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. J'arrive. Yeah. Laissez-moi d'abord. Vous avez parlé de ce qui concerne des signes. J'arrive publiquement. Après, je dois décortiquer cela. Pour que la réponse soit claire. Je dois donner des de la Bible, les fidèles puissent comprendre l'explication. Vous avez parlé, quel signe on peut connaître quelqu'un qui a celui-ci, celle-là qui a la sorcellerie. Il n'y a pas de signe. Ah bon? Pas de signe. Papa John. Comment on a moins si qui toko, hasard d'oratrice en église,
mais ce qu'on reçoit message et qui t'es à Kindoki et botounier à tout béli non mon amoté et ça la raconte non bicamoté et ça les les signes de la sorcellerie et ça n'y bateau bon la bacana n'aï to botama y mounéni mais n'aï nabane n'a combien coco la mouki. À un moment donné, il faut que je me dise que ma famille est là. Ma maman a prié la catholique, la renouveau charismatique. Ma bonne de la loco là, l'église est ravée. Au moment où je me dis que ma bonne de la loco, elle a un samedi, elle a un lien, mais elle a un lien. À quel moment ma casa, n'a rien à quitter comme elle a un lien. Mais les jours que automatiquement je commence. Voilà, le temps que Papa Jacques nous revienne, le temps que Papa Jacques nous revienne. Oui, Papa, Papa Jacques, tu bung sakio. Oui, voilà, vous avez les jours que ce qui n'est ni kata kiwana. Je disais, ma maman priait au préalable aux catholiques, auparavant qu'il priait là-bas, quand j'ai grandi. Ici, je n'étais pas vraiment mince, mais le gros plutôt. J'étais mince, garçon. Bon, dans notre famille, nous sommes tous amis. 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 Quand on a poussé à un certain âge, j'ai commencé à récupérer dans une santé. Je suis le costaud de ma famille et j'ai un plus que le pangonion sur la casa de Boto. Et surtout aujourd'hui, la maman s'est commencé à se repentir. Je suis venu demander au colon du matin, il est là, 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 il est là. Ise indengi anzoto nanga. Ise nge na fungwa manato na fungwa mi. Voilà. La sorcellerie n'a pas de signe physique. Nangina longola équivoque ya oye likula ba na nzambe. Considérera et loco oyo aux assiettes molim au centre l'obélio avec des certitudes. Moutou a pesa ka signe à ma lame ou isaka Saint-Esprit. Saint-Esprit a l'obac avec signe. Au colobela moutou azando qui t'a ou ni nu. Parce que c'est. Tant l'obélio a pesa gana signe ou noyiba. Ce qui m'a dit, mon sang, tu n'es pas appelé sur le signe. Au talibé dans mon mot, tu es signe à moi, Zali. Automatiquement, tu dois confirmer ce que l'esprit t'avait dit. Maintenant, Yomoko, Moutadia Misapi, Aliamino, Akwanera Sili, Asaraboué. Ce qui est spirituel, ça, c'est pas ce spirituel. Physiquement, je suis mon lit, mon obélioté, le tiers de mon sort sur la malamté. Ils ont mis cause. J'ai un ami, j'ai un serviteur de dire, Azan, l'habitude de lire à Manza Kanaï. Papa, le corps aussi a ses sentiments. On ne connaît pas la sorcellerie par un signe. Si la malam, on a mal obélioté, on a mal obélioté, on a péché les mots spirituels. Chaque prophétie, et ça va être bien, mon âme. N'a évité ce Bolandi, mon âme. Voilà. Bolandi, bien. Daddy, c'est toujours aussi Nando. Tout ça, l'attention.
action là-bas. Tout le monde a eu un numéro de l'agence sur la tête de la prière. C'est tout bien à Zandoki. Chaque enf, Oyo, Marc Osidéraka, Oyo Saint-Esprit a pris sa canne à signe. Yaka. Oyo Molimo Saint a pris sa canne à signe. Ndeto Osidéré, Tolubika, Oyo Zersol. Maman Azandoki, Maman Azaboye, Maman Azaboye. Non. Et ça, il y a tout ça qui est là. Mpoukou. Oui, quand tu es à Niama, na kozo na muke. Esprit est quoi utiliser Niama? Que ce soit maléfique ou esprit spirituel dédié. L'esprit pire. Ça peut utiliser parce que nombre 22, l'histoire y a Pundana Balam. L'histoire de Barney Corénier, Lizzie Nanzela, mais c'est aussi un pire et côté de Banyama et dévoré Banaïli Bango. Mais Corbeau aussi avait nourri les prophètes. Beaucoup à cause de la utiliser dans le monde ténèbre. On a beaucoup d'indimi. On a niama, ton PC, tonini, nandimi. Wana na quand tu pries, il faut oser pas qu'on a que nous n'avons quatre points à sang de Jésus. Na kena yesu masia akoma ka incertitude akoma ka nyonso oyo kosenga okoranda ngona kombo na yesu makila koma incertitude e ko bon ben certe nyonso spirituel yoka sino pesa yo sur les incertes sur les mpuku ezani tango zo tie kisi o pope incertitude ke ba mpese ba ku fati ba zo continuer maintenant prie maintenant c'est que dès que tu dois prier au moins ce que o boneli nzambe au moins bon ke ba kei. Il sait que Isa yabondoki eyaki. Mais ce que moni on tient certitude va profiter et certains travaux qu'on zunga continuer notre chaque ici. Bon si. Mais ce que moni que au sambeni nzambe, ma siri va zoya sauter pour du bon, c'était une signe dans nos années c'est qu'on a perdu. Isa qui exprime au magnifique né Isa la kiwana. C'est comme ça. Voilà. Donc je crois que Toyoki, je crois que je ne l'ai pas dit. Totikalina 10 minutes. Totikalina 10 minutes, Poto Silissa. Normalement, on devait prendre 1h15 minutes. Totikalina 8 minutes. Poto Silissa, Nanti, que la papa Jacques Yenda Golobaybele, par rapport Nanga. Nous vous disons merci, Nabino Boza connecté. Je vous demande de partager ces directs. Lelo Ezakaka introduction. C'est vrai que Zubisota est belé. Parce qu'il fallait qu'on pose vraiment beaucoup de questions. À entendre papa Jacques, il a dit que physiquement, boye, okoki koye ba signe andokite, à moins que l'Esprit Saint ait communiqué yo et que o confirmé ba signe wana na physique. Parce que très souvent au Congo, les lotos a apparemment qui en bongo, batumususu bakomi ba bana yanzela, ils deviennent des enfants des rues parce que les parents les ont taxés des sorciers. Aujourd'hui, nous avons vu l'homme se séparer de sa femme parce qu'elle n'aimait pas au monde ou parce que l'homme n'aimait pas au monde. On va taxer l'autre des sorciers que Aliebana na kindo kinaye. Pourtant, la fertilité existe. Manque d'enfants, même dans la Bible, il existe. Aujourd'hui, nous allons voir Mwana Moko qui naît avec des défauts. L'autisme existe. Il y a des maladies génétiques. On va appeler que Mwana Wana, pecho vraiment vrai chor. On oublie qu'il y a des maladies naturelles, surtout qu'on dit qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de mort. Donc, ce qui m'a confié à Zanga Kandokite, quelque chose comme ça, c'est un langage d'Ingala. En Swahili, on dit Mufu Akosaki Mulozi. Voilà, on dit comme ça en Swahili. Il y a aussi en Lingala, j'ai oublié les termes exacts en Lingala. Est-ce que devons-nous continuer à juger les gens par apparence? Aujourd'hui aussi, il y a des hommes de Dieu. Je ne sais pas si c'est la spiritualité qui parle. Il y a aussi les gens dans la famille, je ne sais pas si c'est la spiritualité qui parle, qui indexent les autres, qui séparent des familles.
Les hommes de Dieu, papa, je vais revenir à vous. Vous séparez des familles pour dire que tel azandoki, peut-être même pas que, peut-être au lingakano karatiete. Oh, azandoki. Or, toi, tu as l'esprit qui est plus supérieur qu'Ndokiwana que tu dis soi-disant Ndoki. Parce que celui qui a Dieu, il est au-delà et Ndokiwana. Tu vas propager cette nouvelle. À la rigueur, il fallait seulement approcher Ndokiwana. On dit non, on a ressemblé la peau, on a repens-toi sincèrement. Parce que toi, tu as cet esprit-là. Mais je crois que quelqu'un qui est sûr de Dieu, il ne va pas craindre un mystique. Il ne va pas craindre un sorcier. Il ne va pas craindre la limite humaine. Est-ce que devons-nous continuer à regarder quelqu'un d'apparence et le juger par rapport à nos sentiments personnels? Ou nous devons commencer à faire appel à l'Esprit Saint pour qu'il nous dise qui est celui qui est devant nous? Est-ce que c'est tout le monde qui a cette dimension spirituelle pour discerner les esprits? Est-ce que ceux qui nous amènent aussi des messages parce qu'ils ont cette dimension spirituelle, ils nous amènent de vrais messages? Je pense que vous avez eu des réponses. Papa Jacques a été très clair. Il vous a dit. Je vais laisser Papa Jacques parler. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons parlé des signes de la sorcellerie et il a dit qu'il n'y en a pas. Papa Jacques, nous avons 5 minutes au Etikalinabiso. Nous avons 5 minutes au Etikalinabiso. Nous avons conclure par rapport à bas signes de la sorcellerie. Nous avons pu s'abiso pe ce qui est le numéro personnel. Peut-être que nous avons solo la boisana batu oyo bazana baka. Ezo senga ba délivrance peut-être que zana ba tu bazana ba ka bazo kanisa ke neti neti te neti kindoki ba msusu ba komo boya nako pesa na bambote parce que ba yebisa ki bango ke kingani ya zandoki ba msusu ba komo boya nako kene na banda kwa ba misusu na ko lia biloko ba misusu parce que ba yebisa ki bango baza bandoki peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ce problème là vous qui êtes dans ce domaine de délivrance ce qui moyen ko koza là après au PCP numéro ya téléphone na yo pour permettre que bandeko va contacter yo Ata Nassima. Papa Jacques, pour le moment, il est dans le mode reconnecting. Je vais essayer de les relancer encore sur l'appel, peut-être normal, et voir si il peut revenir. Mais du moins, je continuerai à parler. J'ai dit merci à Papa Harvey Okita. Je vous ai vu en ligne. Je ne sais pas si vous êtes déjà en ligne. Nous vous disons merci parce que l'autre fois, vous nous avez vraiment nourris avec les histoires des taxes. Nous vous avions dit que nous reviendrons encore vers vous pour continuer à poser des questions par rapport à la communauté. Là, je suis en train d'appeler Papa Jacques. Apparemment, il a un problème des réseaux. Je vais l'appeler pour qu'il puisse conclure. Je l'appelle sur le normal. Comme ça, il pourra conclure, même pour quelques minutes. Voilà. Là, nous sommes en train d'appeler Papa Jacques. Pour qu'il puisse rapidement conclure et donner son numéro de téléphone. Comme ça, les gens qui se retrouvent dans le cas de Papa Jacques ou qui ont des problèmes comme ça, ils pourront le contacter afin qu'il puisse nous aider. Papa Jacques, Papa John. na comprendre que Bamega na yo esili. Bon, je vous ai appelé par le direct. Ah, bon. Ya webi ke direct eko ou me la penzate. Ce qui peut-être coquille copé sa moi conclusion. Et puis, copier sa numéro na yo à téléphone, comme ça, on va se dire au revoir. Merci, merci papa. La conclure, donc, pour ce qui est de l'éprouve de Kondoki, pour constater que tout est là, il y a combien de moments dans l'été, les autorités de Kola Moli Mouana, Manda Kobenga Mermo. Ce que Benga Moli Mouana est le même Katia Moutou, nous avons une conscience personnelle, il y a un professeur malin. Donc, les frères sont montés à l'été, la délivrance était un professeur bien-être. Le fait d'avoir de faire quelque chose qu'on appelle la délivrance, c'est l'esprit qui est en elle ou à lui. Et qui dit, état normal, a mis l'esprit où on est allé consoler là. Commencez maintenant à la confesser. Lélo, Jésus-Christ ne va foutre des gadara, à Seigneur va dans tout de la terre. Commencez de la délivrer. La sorcellerie n'a pas de signe. Signe la sorcellerie, le bas cette histoire de Bélaïo. Que moi, nous avons eu un peu de temps. Parce que dès que Saint-Esprit est là-bas,
il date de nos cédicines. Apeche bilimbo. Nous nous sentons le bâna bilimbo. Nous nous sentons le bâna pas bâti. Mes amis dans le Seigneur, les éminents hommes de Dieu, ils apporteraient des qualités aux aïeux de moi, moi, dans les résultats, on a mangé, que Dieu vous bénisse. Nous avons pas bon abîme, pourquoi les lots? Et tu as besoin de connaître quelqu'un qui est la sorcellerie. C'est le Saint-Esprit de te parler, de te montrer. Du coup, j'ai l'autre bassin, mais tu peux être au lot à l'air, on a été. On l'a remarqué, ils ont manqué. Mais au Saint-Esprit, on a été mis à l'eau. Ça sera avec des précisions. Et, nous avons dit que et là, Papa John, pour la cause d'un nouveau bébé, on peut s'y aller. Je suis 243, 82, 46, 48, 298. Papa Jacques, Zéla, non, comment on a commentaire? Zéla, prophète, prophète, Zéla, prophète, prophète Jacques. Zéla, deux minutes. Pour... Sorry, vous allez entendre une voix qui me revient, c'est parce que Nafungoli... Prophète Jacques. Ah voilà. Papa Jacques, allez-y. Plus 243. 82. Plus 243. 82. 46. Papa Jacques, allez-y. Bon, 82, 46. 243, 82, 46, 48, 298. 82, 46, 48, 298. Voilà. C'est ça, mon numéro. Voilà, Papa Jacques. Je sais pas, qui aura des questions, vous m'écrivez, je dois vous répondre. Je suis sur WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, dans tous les réseaux sociaux, sauf YouTube. Et TikTok, j'en ai pas. YouTube aussi, j'en ai pas. Mais Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp, je suis là. À tout moment, que Dieu vous bénisse abondamment, que l'esprit prophétique soit partout, que l'esprit de la vérité dans vos maisons, partout, beaucoup ça, même mon encore les arabes, et que mon Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth soit aussi ton Dieu dans cette soirée, dans cet avant-midi, là où vous êtes, que mon Dieu soit votre Dieu. Et oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'inviterai dans la maison de ta mère jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Papa Jacques, ne partez pas encore. Nous allons vous dire, au nom de toute la communauté congolaise de Champaign-Kani, merci beaucoup. Papa Jacques, tozuyo à pied levé. Vous êtes vraiment montré que vous êtes un soldat du Seigneur. Oye, olie sibiso matea, olie sibiso. En tout cas, nous vous disons infiniment merci et nous promettons que la fois prochaine, ti tokoma peut-être la fin de semaine, toko yali sous ce panayo, pour na toko kakoli, continuer na thème oyo, et silite, et zakaka e bandeli. Et puis, le prophète, l'heure du prophète, émission na to salaka une fois, batou bazana posa, bayoka, mosakolia sakola, mosakolia aloba. Je crois que nous allons encore vous prendre dans l'heure du prophète. Cette fois-ci, pour parler de la prophétie à distance. Comment ça s'est fait? Yo, Zakuna, Olobi, Maman Solange, Nazana prophétie, na yo, comment ça s'est fait? Je crois, témoinande Tokolobela, Er Tokoloba, l'heure du prophète. Pour le reste, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la communauté, pour moi, pour ma famille, pour tout ce que je connais. Que Dieu continue à vous bénir. Et priez toujours pour nous, priez pour la communauté, priez pour tous ceux qui nous suivent, priez pour tous ceux que vous pouvez penser être congolais ou être humains. Continuez à nous soutenir parce que nous en avons besoin. Merci Papa Jacques, je vais vous rappeler juste après. À vous, merci. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était le prophète Jacques. Je crois, nous l'avons posé la question, vous avez entendu les réponses. Est-ce que nous avons trouvé lumière à nos questions?
Est-ce que nous continuerons à considérer ces gens que nous considérions dans le passé comme tels? Est-ce que nous aurons un autre regard par rapport à ces gens que nous considérons sorciers? Est-ce que les mystiques sont plus grands que les sorciers? Vous avez entendu ce qu'il a dit. Nous allons vous dire merci une fois de plus. Ce soir, nous serons encore connectés à partir de 19h30, cette fois-ci avec Papa Bienvenue Lugano. Nous allons parler des habits sacerdotaux. Nous vous disons infiniment merci. Nous n'avons pas prévu ces directs. Nous sommes venus et vous, vous êtes là. Nous vous demandons de partager ces directs. Il y a des questions que vous pourrez avoir adressées directement au prophète Jacques par WhatsApp. Il vous a donné son numéro de téléphone. Il y a des messages qu'il a dit qu'il vous donnera. Appelez-le pour qu'il vous donne vos messages à vous. Et l'important, c'est votre foi. Nous vous disons ceci. Que Dieu bénisse. Voilà, attendez un peu. Il y a Mama Olga Senemo, je vous ai vu en ligne. Merci beaucoup, Mama Olga Senemo, d'être connectée. Papa Ipombungu, merci beaucoup d'être connectée. Ingénieur Volonté Kane, merci beaucoup d'être connectée. Papa Prophète Jean-Marie Kanganga, vous nous suivez depuis Galesbourg. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. C'était Kamatanda, vous êtes connectée maintenant. Merci beaucoup, maman, d'être connectée. Merci pour votre soutien. Que Dieu continue à vous bénir. Vous avez aimé notre vidéo, vous continuez à aimer. Vous continuez à partager. Nous vous disons merci et nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Cannes. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est à Vive!